Oh Valérie, qu'est-ce que je suis content que tu aies pu venir chez moi. Hein? Franchement, c'est sympa ici, hein? Oui, c'est joli. Qu'est-ce que t'en penses? Et surtout, j'avais envie un peu de débriefer avec toi, de voir un peu ce qui se passe, où t'en es. Parce que là, la fête de fin d'année, ça se rapproche, non? Ah oui, ça approche. Ça monte? Oui, tout à fait. Il reste combien de temps, les canards, chez toi? 16 semaines. Ah ouais, quand même. Ouais, on essaye de travailler le plus naturellement possible. Les canards vont en parcours extérieur. Les aliments qu'on donne sont sans OGM. C'est vraiment le bien-être animal et la bonne nourriture qui est important. Oui, c'est tout à fait important. Alors aujourd'hui, Tom, il m'a envoyé un de ses meilleurs amis. Hé ! Steven, Valérie, bonjour. Qui est notre productrice de foie gras, qui nous a mis toute cette belle panoplie. Donc il y a le foie gras cru, le lobe. Soit on le déveine pour faire les préparations suivantes, ou alors on le laisse entier comme ça. On fait des escalopes pour poêler. Le foie gras stérilisé, le foie gras mi-cuit. Moi, je connais bien la cuisson au torchon, mais là, c'est pas du tout le cas, en fait. Pas du tout, non. Nous, on ne cuit pas au torchon. On fait la préparation que l'on cuit directement dans la petite terrine. J'ai déjà faim. Deze is mijn favoriet, maar wat is uw favoriet? Moi aussi, mon préféré, c'est celui-là. Il est cuit en terrine pendant une heure à 90 degrés. Le mi-cuit, je l'aime froid, ouais. En entrée. Ouais. Et alors le lobe en escalope, alors à ce moment-là, chaud. Ah. Ja, ik vind dat ook echt een geweldig product. Ik steek het altijd even in de diepvries om dan er dunne krullen van te snijden. En zo dan de pure smaak van de foie gras volledig eruit te laten komen. Moi aussi, j'ai un autre petit truc. Pour savoir si ton foie gras est frais, on appuie sur le lobe et il ne doit être ni trop ferme, ni trop mou. Et alors, on a un foie gras de qualité. Ok, bon, moi j'ai envie de goûter en tout cas. Donc, on commence par lequel? Non, attention, avant, on va le cuisiner. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée non plus. Bon, Steven, t'es prêt? Ja, c'est goed. Laten we gaan beginnen. Allez, let's go. 3, 2, 1, cuisiner. Allez, c'est parti. Ça me plaît vraiment. Et en plus, j'ai l'impression que toi, Valérie, aussi. C'était très bon. Félicitations, les garçons. Merci. Vous avez tous les deux gagné. Eh bien, écoute, merci à toi. Merci à Steven. Et on trinque? Op de foie gras, Routen. À la route du foie gras. À la route du foie gras.